enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez de l'amour et lui donnez la vie. Enfants de tout pays et de tout cœur, vous avez dans le cœur votre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, sauvez l'amour. Le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Avant le départ de nos visiteurs et pour terminer leurs vacances sur une bonne note, je leur proposais d'aller nous divertir toute une soirée à la Ferme Rouge. Dans ce même restaurant où, 13 ans auparavant, j'avais invité Francine pour notre premier souper en tête-à-tête. La qualité ainsi que la diversité des chansons produites par les serveurs et serveuses du restaurant suscitèrent beaucoup d'enthousiasme de la part de nos invités. De plus, la propriétaire du motel du Ruisseau, où logeait Serge et Maddy, faisait elle aussi partie des artistes. Au cours de la soirée et à plusieurs reprises, elle reprenait contact avec les Suisses de son motel pour connaître leurs impressions. Pour ma part, même si elle chantait pour satisfaire aux exigences de son employeur, son interprétation de la chanson de Barbara Streisand me laissa sans voix. De nos jours, de plus en plus de jeunes talents reprennent d'anciens succès pour tenter de se faire un nom. Mais bien souvent, ils ne sont hélas pas à la hauteur et sont voués à l'échec. Cette dame, par contre, ne cherchait pas à se faire un nom, mais simplement à interpréter une chanson populaire relativement récente. Pourtant, elle faisait avec tant de naturel que l'on avait réellement l'impression d'entendre l'original. Lorsqu'en fin de soirée, pour modifier quelque peu le spectacle et inciter le public à danser, les serveuses se mirent à danser le French Cancan, là encore, l'ensemble du personnel féminin de la Ferme Rouge sut prouver à tous qu'ils n'avaient plus rien à apprendre des danseuses du Moulin Rouge à Paris. Cette nuit-là, pour papa et oncle Serge, ce n'était peut-être pas du champagne que l'on servait aux tables, mais une chose était certaine. Nous n'étions pas en Ontario et le vin coulait à flot. Le 5 septembre 1998, les Burdets faisaient leurs valises. C'était le jour du départ, le retour en Suisse.
mais cette journée, pour eux, allait être bien remplie. Comme chaque année, au mois de septembre avait lieu le Festival des Montgolfières de Gatineau. Cette organisation attire chaque année une multitude d'aérostiers venus du monde entier. Ce matin-là, après l'envol spectaculaire de dizaines de montgolfières de toutes formes et de toutes couleurs, nous prîmes part aux différents spectacles organisés en cette occasion. De plus, une variété impressionnante de carousels faisait aussi la joie des enfants. Inutile de dire que cette année-là, Karine allait en être pour tous l'actrice principale. J'ajouterai que durant les 2 semaines qu'il venait de passer, la générosité et l'amour que ses parents ainsi que Serge et Maddy avaient offert à Karine avaient été sans limite. Durant l'après-midi, nous fûmes invités par Louise et Hélène, les 2 sœurs de Francine, à passer le reste de la journée en leur compagnie au bord de leur piscine. Et lorsqu'arriva l'heure du souper, nos hôtes offrirent à la famille au complet d'aller manger au restaurant La Casa Grecque du boulevard Saint-Joseph à Hull. Le repas terminé, il était temps de gagner l'aéroport d'Ottawa. En ce qui me concerne, c'était la première fois que je me rendais dans cet aéroport pour aller y chercher, puis y raccompagner des membres de la famille. En effet, les compagnies d'aviation qui, généralement, assurent les liaisons entre l'Europe et l'Amérique du Nord ont plutôt tendance à partir soit de Toronto ou de Montréal. Mais cette année-là, la compagnie néerlandaise KLM avait offert des prix très avantageux, raison pour laquelle les Burdets étaient venus découvrir le Canada à partir de sa capitale, Ottawa. Ces vacances étaient terminées pour Maddy et Serge, et leurs souvenirs allaient rester dans leur mémoire parmi les plus beaux de leur vie. Bien des années plus tard, ils se plaisent encore à se les remémorer lorsque vient l'occasion d'en parler. Quant à mes parents, passer 2 semaines en présence constante avec leur petite fille, sans avoir à se demander quoi faire pour satisfaire les besoins et les désirs de leur invité, leur avait fait à eux aussi un bien énorme. Et puis la vie reprit son cours. Plus le temps passait, plus j'éprouvais de douleur dans ma hanche gauche. Mes nuits de travail étaient devenues des séances de torture que j'infligeais à mes têtes fémorales nuit après nuit. Lors de mes rondes, j'éprouvais tellement de difficultés à tourner sur la gauche lorsque je marchais que je préférais tourner sur ma droite en faisant un tour sur moi-même de 45 degrés. Je me sentais mal à l'aise d'être obligé de faire cela, mais au diable l'orgueil, lorsque vous avez des pointes de couteau qui se plantent dans votre fémur chaque fois que vous tournez sur la gauche. D'un autre côté, je me sentais moins mal à l'aise d'être un employé du centre de travail Larreau. Si je travaillais au sein d'une entreprise financée en partie par le gouvernement pour venir en aide aux handicapés, et que ma condition physique ne nécessitait pas un tel apport financier, ma conscience me l'aurait sans doute reproché. Mais de plus en plus, mon handicap était évident et m'enlevait tout remords. La veille de Noël, comme chaque année, nous étions invités chez Hélène et Robert. Pour célébrer avec la famille et pour ne pas diminuer le plaisir de Karine, je participais par ma présence à ces réjouissances. Mais l'enthousiasme des premières années était désormais chose du passé. Mis à part pour danser un slow, je n'avais vraiment plus le goût d'entrer dans la danse. Lorsque la danse représente plus de souffrance que de plaisir, il est préférable de s'en abstenir. Et à 23h30, devoir oblige, je dus quitter la soirée pour me rendre à l'université, afin de relever mon collègue Patrick. Un train pour Alain, un foulard pour Edouard, une poupée pour Mireille.
des vins, des beaux petits corbeilles, en way. Ouais, bon, ben, je pense que j'ai entendu tout ce qu'il m'avait demandé. Ah oui, faut pas que j'oublie le petit damier. Tiens, moi, le toilet, là, ton bord en plus de candy. OK? Le papa, le pipi, le popo, le pipi, le pépère de l'Ouest, un Québécois. Avec ses modelaines, sur un parcours. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bebelle, rempli de joie. Une couchette pour Annette, des skis pour Henri. Un chapeau pour Mario, des mitaines pour Adrien. Allez, sois-moi. Ouais, mais bon, ben, là, c'est là que ma lune est complètement terminée. J'espère que tout le monde est content, là, hein? Gagne de pierre chaleur. La de Noël est bien garnie. Va allumer le feu. Moi, ça me dérange pas, passer par la porte en arrière. Le papa, le pipi, le papa, le pipi, le pépé de Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, son gros parcours. Le père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Edouard, une poupée pour Mireille, des pâtés pour petit corbeille, en way. Père Noël, emportez bébelle, j'en ai eu, puis j'en veux plus, puis soignez toute dans la rue. Père Noël, emportez bébelle, j'en ai eu, puis j'en veux plus. Ouais, ben joyeux Noël tout le monde. Pardon. 1999. D'urgence en orthopédie. Lors de ses prédictions, Nostradamus avait annoncé la Troisième Guerre mondiale pour l'an 1999. En ce qui me concernait, cette année pour moi aussi allait être un tournant capital dans mon existence et pour différentes raisons. Au courant du mois de janvier, les douleurs fémorales avaient atteint leur paroxysme. J'étais donc décidé à y mettre un terme, d'une façon ou d'une autre. Pour y parvenir, j'allais prendre rendez-vous auprès du docteur Franck Larue, pour que ce dernier me réfère à un orthopédiste. Tout s'enchaîna si rapidement. 2 semaines plus tard, je passais en consultation à l'hôpital de Gatineau, auprès d'un orthopédiste, dont j'ai oublié le nom. Après avoir fait des radiographies de mes fémurs, ce dernier jugea effectivement qu'il était temps de procéder à une opération. Cependant, sa secrétaire, en consultant la disponibilité du chirurgien pour procéder à cette opération, m'annonça que l'attente allait être d'environ 5 mois. J'eus alors l'impression qu'elle ne comprenait pas vraiment l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Quelques années auparavant, le docteur Papadopoulos, un autre orthopédiste, m'avait dit « Lorsque vous ne pourrez vraiment plus marcher, alors il sera temps de passer à l'opération. » Eh bien, j'en étais arrivé à ce stade, et il était temps maintenant de passer à l'action. Mais, malgré mes dires, la secrétaire refusa de reconsidérer ma demande et resta sur ses positions. Alors, je décidai de suivre le conseil de Francine et de contacter le docteur Morin à l'hôpital de Hall, celui-là même qui avait opéré son père quelques années auparavant. Mais chez lui aussi, l'attente n'était pas de 5, mais de 9 mois. Alors, je recontactai le docteur Larue pour lui donner un compte-rendu de mes démarches. Je lui demandai également comment faire pour être pris au sérieux. Devant mon impuissance à être pris en charge, il me demanda si j'accepterais de me rendre jusqu'à Montréal pour y être opéré. En effet, à l'hôpital juif se trouvait un spécialiste des opérations de hanche. Sans hésiter un seul instant, je lui demandai le numéro de téléphone de ce médecin. Mais là encore, l'attente était de 5 mois. Je n'étais pas plus avancé. Alors, le docteur Larue me donna le nom d'un autre orthopédiste à l'hôpital de Gatineau, le docteur Carter. Pour la 4e fois, je tentais d'accélérer mes chances et mettre fin à mes souffrances.
et pour la quatrième fois encore, je me fis répondre que toutes les opérations ne seraient pas possibles que 5 mois plus tard. Alors, je décidai de plaider ma cause d'une toute autre façon. « Il n'y a pas de place avant 5 mois ?»« Non, désolé. » Alors, je vous demanderai de bien vouloir m'écrire un papier mentionnant ma totale incapacité de travailler durant les 5 mois à venir. Puisque, réellement, je ne peux plus marcher, donc incapable de couvrir les 11 kilomètres que représentent les rondes que je dois faire chaque nuit. Ah, mais à ce moment-là, il s'agit d'une urgence. Alors, il faudrait mentionner à votre médecin de famille qu'il vous fasse un papier stimulant qu'il s'agit d'une urgence. Résultat, après avoir suivi ce conseil, j'obtenais un rendez-vous le 31 mars 1999 pour être opéré par le docteur Carter à l'hôpital de Gatineau. Mes démarches étaient enfin prises en considération. Par mon insistance, et sans doute aussi par les suggestions divines, j'avais su demander les bonnes choses au bon moment. Cette heureuse nouvelle me donnait l'espoir qu'un jour je pourrais à nouveau marcher sans ne ressentir aucune douleur. Le bonheur total.